Bienvenue, bienvenue, bonjour, faites comme chez vous, installez-vous et on est sur la chaîne de Tunus pour du Shogun 2, la suite de la campagne. On y part, on se part, on part tout de suite. Alors, hop, hop, et tac, on y est. On était dans une passe difficile. Une passe très difficile parce que on avait tout perdu. Alors, juste un petit truc pour ceux qui suivent en VOD. La dernière fois, j'avais perdu Tango face à une armée. Sauf que, en fait, je n'avais pas sauvegardé. Alors, les mauvais diront que j'ai fait exprès. J'avais pas sauvegardé, j'étais crevé la dernière fois. Et du coup, j'ai pas sauvegardé. Et quand j'ai relancé la partie pour regarder où est-ce que j'en étais, bah, j'ai vu que en fait, j'en étais au même point que la dernière fois. Donc, je l'ai fait en off pour pas répéter. Et du coup, bah, j'ai gagné. J'ai fait quand même en sorte de gagner. J'ai pas fait. Je me suis dit, bon, bah, le destin a voulu que. Par contre, ça, c'est toujours perdu. Iga, la petite armée là qui m'a repris Iga, est perdue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de. Ouah, je suis à moins 6. Ah ouais. Oh. J'avais pas vu par contre que j'étais à moins 6. Ah, tu m'étonnes que les gens vont pas être contents là. Est-ce que ça va péter ici? Non, c'est pas comme ça qu'on voit. Si, ici. Oui, ça va péter. Toi. Tu viens ici. T'es à combien toi là de. Non. La ville. On en est où là? Moins 2, ça va être une petite rébellion. On va s'en sortir. Alors, ici, j'ai des bateaux. On va faire un peu le ménage. On commence direct. Petite sauvegarde, on va essayer de faire une réseau auto. Il faudrait que je vire, c'est un navire de commerce. Ah, voilà, on va le virer là. On va prendre la bulle lourde. Trop cool. Voilà, on coule deux bateaux. Ici, on a quoi ici? Ça, c'est les miens, ça? Non, ça, c'est les miens. C'est réparé. Ça, c'est une grosse armée. Non, ça, c'est une grosse armée, mais elle est affaiblie. Alors, celle-là par contre, je pense qu'on va la jouer. Oh, j'ai la flemme de faire des batailles navales. Allez, je prends. On fait un peu le ménage histoire qu'on soit un peu tranquille, qu'on puisse se défendre au cas où qu'il y ait une armée qui arrive via la voie maritime. Ça peut toujours être handicapant, ça on n'en veut pas. Hein. Ouais, ça fait gagner pas mal d'argent. J'aurais peut-être dû regarder ce qu'il a me proposer. Alors ici, toi, vire et on prend ça, ça et ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc je gagne une bulle lourde et j'échange mon navire contre un cobaya d'archer. Bon, on va prendre ça. Ouais. Par contre, on va prendre la plus expérimentée avec nous quand même. Vous. Là, toi. Hop. Et on te demande de réparer. Et ici, sabordage. Voilà. Ici. On va se faire de nouveau une armée archer-cavalier, on n'en veut pas. Cavalerie légère, oui, ça peut être pas mal, mais surtout pour l'instant, on va prendre de quoi faire des soldats. Les samouraïs katana, j'ai été grave déçu. C'est à le même prix, et ben on va faire. Ouais, sauf que j'ai pas assez d'argent pour recruter à fond. Ça, c'est pas à moi ça. Non. Toi, tu viens ici en défense. Au prochain tour, vous pourrez bouger, vous. Ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Une armée. Vous êtes incapable de défendre. Hein. Ouais, vous êtes incapable de vous défendre. Voilà.
Oh là là, j'ai pas tellement pas d'argent. En fait, ils sont en train de me fumer toutes mes. Lui, il est en train de me fumer toutes mes terrasses, toutes mes fermes. Et du coup, ça me fout en l'air mes comment mes cultures et mon surplus alimentaire du coup. Et ils vont gagner comme ça. C'est dingue ça. Petite stratégie d'enfoiré. Et je peux pas le tuer, il est trop fort. Oh là là, et puis eux ils arrivent. Ils m'embêtent. Ah, je l'ai vu. Oui! Ils prennent de l'ampleur. Ça, c'est bon pour nous, ça. Sabotage, évidemment. Pas que s'il a saboté. Non, ça n'en veut pas. Ouais, allez, on prend ça. Ça en répare. Ah, ça c'est bon. Je peux réparer ici. Toi, t'es pas avec moi, hein? Non. Toi, t'es pas non plus avec moi. Est-ce qu'il me reste des agents? Ouais, tu vas remonter. Une grosse armée, ça? Non. On va remonter, on va aller capturer par là. Toi, tu as gagné un point de combat, enfin un point de compétence. Hop, il nous faut ça. Alors, ils sont où? Toi, on a dit, toi, t'es là. Ah oui, c'est parfait. Essaye de le tuer. Non, j'ai pas assez d'argent de toute manière. Ici, on a un Mesuke. Putain, mais quoi? Ah oui. Oh, la petite armée, quand même, pas dégueulasse, hein. Une petite rébellion, pas si petite que ça. Ils m'ont fumé tous mes agents. Hein. J'ai oublié d'envoyer ma flotte. Ah, j'ai oublié d'envoyer ma flotte. Et merde, elle est arrivée. Par contre, eux, ils sont hyper chauds. Hein. Allez, attaquez-moi. Voilà, parfait. Bien ça. Oh! Deux terrasses. C'est bon. L'armée de défense est plutôt costaud, donc ça devrait le faire. Que ça? Dans mon souvenir, il y avait des samouraïs avec toi. Bon, on va, ça va le faire. On a des fusillés, encore des archers, tout ça. On a. Tout ça. Les Yari. Les Yari en deux, et le reste, ça ira. On va juste les mettre là, histoire que les généraux soient en dernière place. Et c'est parti. Ils arrivent par là. Non, mais j'aurais dû vous dire de monter tout de suite ici. Qu'est-ce qu'on arrive pas? Qu'est-ce qui arrive par là? On a des samouraïs, Yari, des samouraïs, Yari. Des archers, des archers, des archers. Ok. On va aller foutre le feu à ça. Hein. Voilà. Et la grosse armée ici. On veut un général là.
un général là. Et des fusillés ici. Ils vont laver sur le côté. Ah, c'est des archers ici par contre. Non, on en veut que deux ici. Du coup, on va devoir faire descendre les archers. Mettez-moi le feu à ça. On va pas défendre ça. Voilà, ça, ça brûle. C'est très bien. En fait, je me dis que je vais envoyer les généraux sur les archers. Hein. Ben oui, c'est ça qu'on va faire. On va mettre les généraux ici. Et dès que eux, ils ont commencé à grimper, ils vont se prendre les archers, ils vont se prendre bah, du coup les généraux qui vont arriver. J'espère que c'est la bonne strat. Samouraï Yari, cavalerie légère. Ouais. Alors, ici, non, c'est bon. Les samouraïs ils vont venir ici. Ah merde! Par contre, ça aurait été bien de que vous vous installiez ou... Allez, faites feu. Hop, écartez-vous un max. Aïe aïe aïe. Vous aussi écartez-vous. Vous allez vous mettre là maintenant. Vous ici. On se pack. Vous, en fait, vous allez retourner derrière. Ça sert à rien que vous restiez là. Vous allez vous mettre là, vous. Prenez-vous. Allez, 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 chopez-les là. Mais non, vous, c'est ici. Ici. Allez, 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 allez. Pendant que ici, c'est pas terrible. On a un peu oublié ce côté-là. C'est quand vous voulez, hein, vous y allez les gars. Hein. On va aller s'occuper des archers là. Les archers sont en train de monter, hein, donc... Ah non. Oui. Les samouraïs Yari sont en train de fuir. Hop, vous allez vous y mettre en courant. En courant vous aussi. Qu'est-ce qui... Merde. Ah merde, j'ai... Général court un grave danger, monseigneur. J'avais oublié leur cavalerie légère. Vite, rentrez. S'en fout. S'en fout des archers, tant pis. Il n'y a qu'une unité d'archers en fait.
Oh quel enfer, j'espère qu'il va pas mourir. Là 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 là. Oh, il y a trop de risques. Vous, vous allez vous mettre ici. Donc les archers vont finir de se faire laver. C'est bien, tout suit son cours. On va faire des murs de Yari là. Ah bah il fuit. Bon. C'est gagné. Très bien. Bon, la première rébellion, la première bataille, elle se passe bien. Après, ça, normalement, il n'y avait pas de problème. Il ne devait pas y avoir de problème. Pendant que je regarde si le Twitch est bon. Hop. Chaîne. C'est bon. Alors maintenant, reste à savoir si on peut aller les détruire. Hop. Qu'est-ce qui a été saboté encore? Agitation grandissante à Tamba. J'aimerais ne... Oh là là, la vache. C'est cette... Non mais c'est un truc de dingue. Genre comment cette région peut me rapporter plus de... la majorité de mes revenus. Oula, il y a une belle armée là. Jamais ça, ça se défend contre ça. Bon, déjà, on est à moins 4 de... Tu peux réparer ça? 2400. Fouah. On va essayer de compenser avec ça. Ici, nous avons une armée. On va la récupérer. Voilà. Pourquoi Arima? Ah oui, bah Arima, normal, si tu m'étonnes, c'est l'enfer. Où ça va péter? Ça va péter à Arima et à Tamba. Ah tant pis, hein, Tamba, hein, faut que on mette ça. On va gagner, on va retirer la, comment, la position. C'est dessous aussi, ça va péter. Hein. Faut qu'on arrive à se débarrasser de ces agents. Il est où mon autre agent là? Celui-là. Là, je suis sûr qu'il va m'assassiner mon général, mon daimyo. Là, je suis... Ah oui, alors du coup, est-ce qu'on peut aller... Oula, ma voix. Détruire ça tranquillement. Oui. Voilà, comme ça, ça lui permet en plus d'augmenter de rang et du coup, alors de posséder ça à moins 5. Et bah écoute, c'est parfait parce qu'après tu vas en avoir.
à long terme. Hop, on va lui mettre la portée de déplacement qui est largement... qui est très bonne pour toi. Ici. Toi, on te... C'est quoi ça? Pourquoi il y a une armée rebelle? Très bien. Agent, qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Soudoyer l'armée. Oh oui, ça coûte très cher. C'est moi qui ai demandé à mon armée de rentrer là. Oh là là, vache. Et à Kyoto aussi, ça va péter. Ouais, mais en même temps, Kyoto est en sang là. Pénurie alimentaire, bah oui, non, c'est surtout ça. De toute façon, Kyoto, si elle a pas. Elle a la rébellion, mais elle a aussi. L'armée qui arrive, donc. On va voir. Après, là, mon allié, franchement, il commence à prendre de l'ampleur. Là, il a 3 régions. J'ai pas encore regardé à quoi ressemblait son armée. Il a une flotte. Ah, ça y est, eux, ils arrivent. Ça peut le faire. C'est Kyoto, ça se défend bien, Kyoto. Le top du top, c'est qu'ils arrivent par là. Par là, c'est tellement... Enfin, c'est très faible d'attaquer de ce côté-là. Parce qu'il y a les tours, qui sont très facilement défendables, qui font quand même des dégâts, mine de rien. Salut, le pacificateur! Buongiorno! Enfin, bijourno, du coup. Bah, ça va bien. On a gagné pour l'instant. On a gagné nos premières batailles. Notre première bataille. Par contre, au niveau de la gestion, c'est infernal parce qu'ils sont en train de me casser toutes mes fermes. Donc, je suis en pénurie, c'est la révolte. C'est infernal. En fait, la punition que ça t'inflige, elle est énorme. Ah ouais, non, mais là... Oh! J'avais pas vu qu'on avait cette unité-là, là. T'inquiète que ça, cette unité-là, elle est là pour faire le café, hein. Les sœurs de bataille, là... Ouah! Bah... Comme la dernière fois j'y pensais, je me suis dit, en fait, le jeu serait beaucoup plus simple s'il n'y avait pas cette deadline d'objectif. Mais comme il y a cette deadline d'objectif, t'es obligé de rusher comme un dingue pour arriver à faire... Bah tu sais, en fait, pour gagner la campagne, il faut le faire avant telle année. Non, tu sais, le... Oui, ah ouais, moi je kiffe moyen, j'aime bien prendre mon temps. Et du coup, bah c'est vrai que ça te demande... Bon, après c'est un autre jeu, quoi. Mais maintenant, ils le font même plus. Et je préfère. Par contre, j'ai pas beaucoup d'archers, hein. Elle est facile quand on a beaucoup d'archers, là j'ai pas beaucoup d'archers. Évidemment, ils arrivent toujours avec 3... vous allez pas monter, vous, on est d'accord, c'est les généraux, ça c'est les archers, on s'en fout. On va juste mettre une petite unité là, de ça là, qui va venir les accueillir. Ici on a beaucoup de monde quand même. Alors, les premiers archers. Ici, et... Non,
Voilà. Faites-moi le plaisir d'avancer vite. Et vous, bah ici. Bah il n'y a que vous qui arrivez, vous arrivez que par là. C'est quoi là-bas? Samouraï. On va mettre ça ici. Hop, vous allez vous prendre les flèches enflammées. Et ils arrivent quand même à tirer sur moi. Hein. Ça c'est quoi? Samouraï. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait contre nous. Vous allez venir avec ça. Ici. Où est-ce que vous allez vous? Ah oui. Vous vous mettez bien derrière la porte tranquille. Et vous, vous servez à rien là pour l'instant. Bah on va vous mettre ici comme ça en soutien. Et vous aussi en soutien ici. Ah, il y a des archers ici quand même. Archer samouraï. Archer Ashigaru. Ouais, en fait, eux, ça va être l'unité qui va intervenir, qui va les attaquer. Alors... Les vassaux samouraï derrière, par contre. Un petit mur de Yari ici, un petit mur de Yari là. Voilà. Là, on a les archers qui arrivent. La cavalerie, Katana, qui va se faire chasser gentiment. Un grave danger, monseigneur. Mais non, t'inquiète. Attends, ils sont où, eux? Ah oui, ils sont à la bourre, d'accord. Eux, ils ont enfin décidé de monter, on va les chercher. On recule. Vous y allez. Et vous allez me chercher ça ici. L'ennemi a pris une tour. L'ennemi a pris une tour, oui, mais elle est. Oui, si elle est à portée, mais c'est pas grave. Ah non, c'est cette tour là. C'est pas le bon plan. Bon, tant pis. On va se débrouiller avec. Par contre, on va reculer un peu là. Je vois qu'on est un peu trop, trop loin. Ça va pas être si facile que ça en fait hein. Qu'est-ce qu'ils font eux? Attaquer les samouraïs hein. Ah, ils focus mon général en grosse priorité hein. Allez. On va finir de foutre en l'air leur morale. Vous me tirez là-dessus. Vous arrivez dans le dos, ça va pas leur faire du bien. Ça y est, ça tombe. Ensuite. Ici, mes vassaux samouraïs, ils sont en train de faire le taf.
Vous, vous pouvez prendre cette tour, hein, par contre, hein, vous avez le droit. Sur ça, j'ai dit, on tire sur ça. Voilà, on attrape les Ashigaru, vous allez me chercher la tour. Allez, vous me courez à l'intérieur. Non, c'est bon, vous courez plus à l'intérieur. Et vous laissez les archers faire le travail. Ça et ça. Voilà. Donc elle, vous allez voir, elle déconne pas. Hein. Allez, salut. Vous avez vu, depuis le début, on en a perdu que 5. C'est des héroïnes, elles. Vous. Ah, ça y est, merde. Nous nous sommes emparés de leur tour, monseigneur. J'avais oublié les généraux à l'arrière, en arrière-garde. Normalement, ils devraient tenir eux. Hein. Ah, quoique. Ouais, non, en berne. Hein. Attention, 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 attention. Vous prenez pas trop de tir dans leur le dos. Leur général a été tué. Ils voilà. Ne s'en remettront pas. Le général a été tué. Il en reste un. Oh bah voilà, c'est terminé. Et bah vous nous terminez ça. C'est une victoire. Avec les Onabushi. Ah mais vous voyez pas les quand j'ai des succès en fait. Non. Parce que là comme j'ai gagné une bataille avec des Onabushi, ouais ouais non mais comme c'est Steam. Parfait, on tue l'armée, c'est tout ce qu'on voulait. Attends. Ah oui. Ça me paraît indéfendable, mais bon, ça me fait chier. Oui, alors cette armée-là, elle est sortie de nulle part, je l'avais pas vue. On est content, hein. Il y avait un général ou pas dans l'armée? Je vais trop vite. Ouais, je pense, parce que c'est que de la marmaille. Après, il y a mon armée qui arrive pour reprendre la ville, mais ils vont me piller la ville, les... Ah bon. Allez, on va essayer de défendre ça. Le problème de ces tours-là, c'est ça, c'est le drapeau qui est en bas, mais bon, je comprends, hein, parce que sinon, ça aurait été un peu fort. Ouais, il y a un général. C'est un vrai général. Ah ouais, c'est un vrai général, en plus. Ashigaru Yari... Bon, le gros front est là. Et ça, c'est quoi ici? Des archers, des archers, des archers, ouais. C'est ici qu'on les veut, les archers. Hein. Hop. Vous allez me mettre là. En fait, on va faire monter les archers. On va s'en occuper un par un avec eux. On peut peut-être la gagner. Ouais, ça me paraît tendu. Hein. Mais on peut peut-être la gagner. Non, mais vous, c'est ici, en fait, qu'il faut venir. Ah,
Et vous, vous restez là. Quoique, non. C'est quoi la différence de stats? Ah ouais, il y a des grosses différences de stats. Par contre, ils sont que 45. Par contre, je veux bien que vous y allez en courant, comme ça vous avez le temps de vous reposer. Ah mais non, il y a une arme. Ah oui, non. Ah ça... ouais, non, c'est perdu. J'avais pas vu qu'ils avaient ça. C'est ici qu'ils doivent être mes archers. Et du coup, vous, vous pouvez rester là. Ah, si les archers montent, c'est parfait pour moi. Ah, ils veulent prendre la tour. Morale ébranlée, allez, cassez-vous. Allez, là, vous me foutez le feu à ça, là? Par contre, mes archers n'auront jamais assez de munitions. Bon, déjà, eux, là, ils sont tombés. Hop. Ici. Nos armes ont eu raison de leur tour. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire là. Vous. Ah voilà, c'est ça le problème. Fais-moi le feu à ça. Mais n'importe quoi. Ah, ils m'énervent quand ils font nimp par contre, hein, parce que j'ai clairement cliqué là, je me suis bien appliqué à cliquer là. Ça y est, je suis nimp. Ouais, oh, il y a trop d'unités là, c'est trop le bordel. Oh mon bateau. Putain, je vais me faire capturer mon truc par mes drapeaux. Allez, rusher là. Ah oh, la vache quoi, putain de drapeau. Putain mais il y en avait aussi là là. Oh mais il y en avait partout en fait. Non mais c'était perdu d'avance en fait. Là de toute façon même si j'arrivais à défendre... Bon, j'ai récupéré le drapeau. Non, ça c'est les archers. Ils sont où mes katanas? J'aurais dû foutre le feu à cette tour depuis le début.
C'est ça que j'aurais dû faire depuis le début, voilà. Non, eux ils sont morts. Eux ils lâchent. Je peux plus faire formation là. On va essayer d'aller en tuer 4 ou 5 là. Comment ça vous pouvez pas tirer là? Là vous pouvez pas tirer là. Là vous foutez de moi là. Même moi j'y arriverai. Non, c'est perdu. 4. 7. Peut-être en faisant ça. Allez, vous me tirez la flèche qui les fait tous partir. Ouais, c'est ce que je me suis dit, ouais. Bah ouais. En fait, ouais, j'ai du mal à me dire que ces unités-là, elles sont puissantes, quoi. Genre, comme c'est des unités de base, j'ai trop l'habitude sur les jeux, les autres Total War, où les unités, les clampins, c'est des clampins, quoi. Genre, c'est de la masse, quoi. Bon, ouais, j'ai perdu la capitale. Ouais. J'y pense, mais pas tout le temps, quoi. Mais c'est vrai que c'est un... Bon. C'est bizarre, mais... Sabotage, encore. C'est la faillite, en plus. Tant qu'à faire. Ça c'est un délire depuis Medieval 2 de rendre les paysans en paix. J'ai pas joué à Medieval 2 mais ouais là clairement c'est dingue hein, la différence entre Shogun 2 Vanilla et Shogun 2 la fin des samouraïs où la populace est clairement limite si des fois en fin de partie c'est simple elle arrive jamais à se battre. Ouais mais là par exemple dans celui-là je trouve que c'est un poil fort que ça peut contenir enfin que en 1 contre 1 mur de Yari ça peut contrer des samouraïs qui sont entraînés quoi, des Naginata qui sont entraînés ou de... Bah en début de partie ça se sert pas de chair à canon. Euh
Ouais, mais après, car dans la réalité, ça se faisait comme ça. Ouais. C'est vrai qu'on faisait plus de. Après, est-ce qu'ils ont. Sinon, si on veut être plus dans la réalité, c'est que tu mets que les samouraïs ils déglinguent du comment du paysan avec un ratio de 1 pour 10 ou 1 pour 5. Par contre, tu peux recruter que 10 unités de samouraïs dans tout ton clan, quoi. Enfin, ou tu peux recruter un peu comme les comment un peu comme les merde, comment ça s'appelle? Les rois des tombes dans Total War. Tu sais, tu peux recruter que avec un nombre de. Par exemple, si t'as deux dojos, bah tu peux avoir 10, enfin 5 samou enfin du coup 4 samouraïs. Si t'as 4 dojos, 4 samouraïs, 2 dojos, 4 samouraïs, t'as 2 samouraïs par dojo. Et du coup, en fait, après, tu fais. C'est des armées où t'as quelques samouraïs qui traînent et beaucoup plus de masse. Par contre, les samouraïs, quand. Enfin, voilà, ils déboîtent un peu plus que là, quoi. Ou des fois, c'est eux qui. Enfin, la map. Après, quand il y a ça qui tombe sur une unité de samouraï, elle se fait déglinguer. Ça, tu vois, quand il y a toute une masse comme ça qui tombe sur deux unités de samouraïs, pour moi, c'est ok. Au début, ils en tuent beaucoup. Ensuite, les samouraïs sont pris de. Mais bon, sont pris par la masse, c'est normal. Après, c'est vrai qu'avec, par exemple, les fusils dans Shogun 2, la fin des samouraïs, c'est plus facile à mettre en place parce que l'aptitude à recharger des gars de la populace, elle est tellement faiblarde que en fait. Et c'est facilement compréhensible, quoi. Les mecs, ils savaient pas recharger un fusil à poudre à l'époque, quoi. Alors. Bah non, mais on va y aller en marchant, par contre, les gars. Je sais que vous êtes pressé au combat, mais quand même. On peut marcher partout là. Hein. Ouais, on peut marcher partout. Je connais pas du tout. Drifter, il y a une animation. Dans la réalité, tu as beau être entraîné, si tu prends une lance dans la tête, bah tu y passes. Oui, non, mais bien sûr. Sauf que le pécor qui s'est manié une lance, il s'est pointé. Le mec qui a entraîné, il s'est. Ah oui. Et le mec qui a entraîné, il a comment. Il s'est paré, il s'est esquivé. Oh, attendez, là, le général il traîne là? Sérieux? Oh bah, et s'il me le donne? Alors, je vais bien m'installer là. On va retirer le feu. Ouais, c'est pas grave, je vais m'en prendre quelques flèches dans la tronche. Franchement, si j'arrive à sniper le général. Ah, putain, un enfoiré. Bon, bah, foutez-moi, allez. Tirez-moi là-dessus. Ah, je pense pas, non. Je pense que si moi j'ai un couteau et qu'il y a un mec du raid qui vient me. Ah oui! Non, mais bien sûr, si t'arrives par. Moi je te parle en face à face, bien sûr. Après, là on n'est plus du tout dans la même configuration. Mais je pense qu'un mec du raid. Il arrive pour me. Et moi j'ai un couteau, il me fait une prise, il attrape mon couteau, quitte à être il sera peut-être blessé. Mais. Et pas forcément. Et je parle des mecs du raid, hein.
Parce que c'est les techniques de combat, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Hein. Par contre, oui, effectivement, t'arrives dans son dos, là, rien à voir. Mais rien à voir. Mais en même temps, là, c'est tout le monde. Hein, ouais. Hop, maintenant que les archers sont partis, on va pouvoir ramener les généraux. Attends, il y a des vassaux samouraïs là ? Ah ouais. Hop, ça c'est dangereux. Ah, et puis il y a ça aussi, hein. Y a le sang-froid, hein. Parce que mine de rien, ça joue. Hein. Vous êtes en plein combat, je peux vous booster. Et vous êtes aussi en plein combat, c'est votre jour de gloire. Allez, vous me faites feu là-dessus là. Notre général court un grave danger, monseigneur. Allez là. Mais c'est pas les miens, c'est pour ça. D'accord. Mon unité, elle a été anéantie là ? Morale anéantie, ouais. On va tirer sur les vassaux samouraïs. Tirez-moi là-dessus. S'il est trop con pour exploser son... Tiens, je me posais la question, est-ce que tu sais à quoi ça sert ça? Je pense que ça sert à protéger le général des flèches, comme ils ont des gros sacs, ça évite, ça attrape les flèches au mieux que ce soit le général qui prend tout dans la tronche. Nos hommes fuient le champ de bataille. Quelle honte! Oui, je sais qu'in-game ça change rien. Là, il m'énerve l'ordinateur à me faire des plans en mode je me barre au frame perfect pour esquiver la grosse salve de flèches. Bon, là, bien sûr, maintenant, je dis ça, le gars reste sous la douche, quoi. Bon, allez, vous allez me le toucher là? Il est là, ici, en plein milieu. Ils sont fatigués, mes troupes. Ouais, tu penses? Ouais, peut-être. Au début, je voulais faire un gros blob et que les archers... J'aime pas trop envoyer mes troupes par les murs, je trouve qu'ils se font souvent laver. Ah putain, mais il y a encore du monde derrière.
Ah oui. Ouais, c'est vrai. Ah, là, j'aurais rien du tout avec ça. Hop, vous êtes en train de perdre vos flèches. Ah, mais le général, il est encore en vie. Non, mais c'est une blague. Hein. Les hommes sont rompus, monseigneur. Certains ont grand besoin de repos. Vous, allez, reculez-vous. Non, mais il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Ah. On va se la faire comme lui là. Hein. On va grimper ça et on va prendre le truc pour nous. Là, vous me le touchez, là, quand même. Vas-y. Hop, un petit coup au moral au cas où. En très difficile, c'est ça un TD, hein. Ah, ils arrivent. Un général qui tape son meilleur sprint. Allez, tuez-moi le général là maintenant qu'il est venu se présenter. Ça y est, c'est passé, on peut rentrer. Vous allez y arriver là, le descendre celui-là. Ah mais le général il est mort.
Bon allez, on va faire ça en avance rapide. Hop, 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 hop. Ah mais sérieux, il traîne encore ici là, cassez-vous là. Putain, la grosse... Ils m'ont mis la grosse honte quoi. Charger ça, ça c'est quoi? Non mais c'est bon, ils vont pas... Ouais, après, c'est parce que tu découvres plus, du coup, tu... Comme il n'y a pas d'erreur, vous tirez? Non? Vous tirez pas? T'as plus de surprise? Non, pas dans mes généraux! Arrêtez de tirer! Non, mes archers, ils sont très forts pour toucher les miens, mais... Ouais, voilà, c'est ça, si c'est pour passer un mauvais moment... Encore une fois. C'est lequel qui en a le moins, toi? Ah là, ça y est, c'est gagné. Enfin, allez, bas. C'était une victoire compliquée. Hein. Alors, la bonne nouvelle de cette campagne, quand même, parce qu'il y en a une, c'est que mon allié, il s'est réveillé, par contre. Ah ouais, putain, la vache, tout est en feu, quoi. Oh comment je vais régler ce problème? On se retrouve dans le même problème que la dernière fois, là. Bon, déjà, on n'est plus en banqueroute. C'est quoi, ça? Des rebelles. Ils ont des mangos, non ! Hop. Putain, ils sont pas finis, quoi. Combien de tours ? 2. On va aller capturer ça. Ah non, 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 en fait, je te garde pas, toi. Ça, c'est full navire de commerce, ça. Tiens, je te les rends. Ouais, c'est vrai que l'auto-résolution, elle est pas trop difficile. Ah oui, alors je voulais voir ce qu'ils ont comme armure. Eux, ils arrivent doucement, c'est qu'ils viennent m'attaquer. Hein. C'est ça.
Qu'est-ce qu'ils ont? Cobaya d'archer, full cobaya d'archer. Full cobaya d'archer. Bon, en espérant qu'ils savent pas utiliser les flèches de feu. Mon petit plaisir, les batailles navales. Comme vous le savez. On est heureux. Non mais regardez-moi cette map. Il y a la moitié de la map qui sert à rien. Ils auraient pu les faire beaucoup plus petites les maps, je trouve. Je sais que ça peut servir, mais... Alors... Franchement, ils pourraient me respecter... Pour me respecter les autres clans et me dire bah allez c'est bon maintenant t'es devenu shogun GG on te respecte. Alors vous allez me la faire full abordage. Vous allez me la faire full, vous me foutez le feu à ça. Là, là, feu, feu, feu! Oh les mecs, réveillez-vous là! Merde, ils vont m'aborder eux. C'est à moi ça? Non. Là, feu, feu, feu là-dedans. Bah, c'est bon, tu te fais aborder. Toi, là-dessus. C'est la grosse mêlée générale là. Hein. Alors les autres bateaux ils arrivent par là. Vous, les miens, vous dégagez. Ça c'est à moi ça? Non. Non. Ça c'est pas à moi. Ça c'est pas à moi. C'est pas à moi. Ça, c'est à moi par contre. Ça, c'est complètement à moi. Abordage ici. Abordage ici. Vous. On va essayer de foutre le feu à ça. Tac.
Bah allez, la go là-dessus là. Voilà, on leur fait peur un peu là. Au feu! L'un de nos navires est en flamme! C'est lequel? Oui, ouais, en même temps il était fini celui-là. Tu as mis les flammes en auto? Non, 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 j'ai pas mis les flammes en auto. Bah, je peux faire encore des bons focus, là, t'as vu, ils sont 3. Donc, s'ils arrivent à passer, là. Toi et toi, on va me tirer là-dessus. Et. Lui, par contre, il est en train de passer sa pas du tout sa bonne vie, quoi. Il est bloqué par l'autre bateau, en fait, j'ai l'impression. Hop! Au feu! L'un de nos navires est en flamme! Ouais, c'est pas étonnant. Hop, on va mettre les mines. Hop. Allez, vas-y, avance. Vas-y, amuse-toi avec ça. Ah, mais ça lui fait rien, hein. Il vient de s'en prendre 3. Ah oui, d'accord, c'est fait pour les gros bateaux, quoi. Allez, balancez toutes vos grenades, là. Toi, t'es en feu. Il joue tellement avec moi, c'est affligeant. Pourquoi il veut pas attaquer? Ah, parce que j'étais en mode abordage. Alors maintenant,
Non, non, faut flotter le feu à mon bateau. Au feu ! L'un de nos navires est en flamme. Super. Bon, au moins, c'est gagné. Hop ! Ça va le son, vous m'entendez bien ? Ouais, ça c'est sûr que c'était une bonne bataille navale. Là. Ah, au moins je me suis pas emmerdé. Hein. Bon, je récupère ce que j'ai perdu, c'est pas mal. Par contre, va falloir que je répare. Et ça va être compliqué. Et ils sortent d'où eux ? Qui c'est ? Quoi ? Quoi ? Non mais mon allié, il... Sabotage. J'en ai marre. Le manque de nourriture. Ah merde, j'ai pas vu où. Quoi? Agitation grandissante, c'est où? À Kyoto. Oui, bah. Je peux même pas réparer ça. Alors. Le problème, c'est que là, lui, il va arriver avec ses. Ouais, bah voilà. Ça y est, là, la prochaine, elle est perdue. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Hop. Viens me chercher! Ouais. Ouais, il n'y a pas grand chose hein, quand même. Mon armée, elle ressemble à quoi là? Pas grand chose. Hein. Je vais lui laisser Tajima, hein, je crois. C'est quoi comme un fort? Et ici, on a un bastion. C'est quoi le mieux? Attends, 1600. Ah oui, non, bah voilà. La question se pose pas. On va aller défendre là. On lui laisse ça pendant que toi, tu descends ici. Et ça donne quoi où est-ce que ça risque de péter? À Kyoto. Est-ce que c'est Kyoto? Est-ce que c'est Kyoto? J'ai dit Kyoto. Oh, 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 moins 16! Ah oui. Et là on a une armée là. On a une petite armée. Vous voulez toujours pas faire la paix hein, par pur hasard. Guerre. Oui. Même si c'est pas parlez, si vous demander devez, la paix. Mais choisissez vos mots avec soin. Échanger si l'otage. Je te donne un otage. Je n'ai pas envie de vous entendre. Mais la... Après, eux, c'est pas. Attends. Ah oui, non. Je peux pas. Terrifiant, terrifiant, modéré, mais toi, t'es complètement cassé. Alors, qu'avez-vous à dire aujourd'hui? Mes oreilles en auront-elles honte? Yeah! Je préfère.
Takeda, non. Bon, bon, on va tenter avec le sud. Si j'arrive à avoir le sud de mon côté, je pourrais tout ramener vers le nord. Ce qui serait demander la paix, mais eux, ils me Parlez détestent à avec fond. prudence, En plus, car j'aurais mon pas de sabre est leur. prêt à couper vos têtes. Faut que j'essaye. Qu'est-ce que je. Alors, J'ai rien, j'ai pas de qu'avez-vous à dire trésorerie. aujourd'hui? Je m'en fous, Je ne pensais pas que vous auriez le courage de venir jusqu'à moi. Vas-y, je te donne. Je te donne. Parlez, Et puisque franchement, vous êtes là. je te donne même mes babouches. Qu'est-ce que je peux te donner de plus? Vous voulez pas mes babouches? Pas Allez, cher. crachez le Je morceau vous et je vends ma récupérerai. fille. Franchement. Allez. Et tu peux même venir en vacances chez moi. Oh, comment j'aimerais vous trancher la tête. Non, mais allez. Ah la vache. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il a le navire noir! Ah si, ils ont des canons, putain! Ça doit faire mal ça. Allez, salut! Tu ne mourras jamais! Oh putain, ils vont venir me casser la gueule. Oh! J'ai perdu la campagne ou la bataille? Bah ouais, je pense qu'avec des flèches enflammées, ça prend feu comme tous les autres bateaux, non? Ah ouais? Ah ouais, il fait si mal que ça? Ah ouais, putain. Alors... Ici on a beaucoup d'archers mais plus d'infanterie. C'est ça le problème. Hop, une petite pause histoire de voir ce qui se passe. Ils arrivent par où? Par là. Ici c'est... Ah ils ont beaucoup d'archers quand même et c'est des archers à Shigaru donc ça va. Là c'est les Ashigaru-gari. Archer samouraï, samouraï. Ah voilà, ils sont là, les samouraïs. Ok. Ok, bah on va mettre la max ici. On va en mettre deux là-bas. Toi, ici, ça suffira, je pense. Bon, il doit y en avoir caché dans la forêt, hein, là-bas. Ouais, je pense qu'il y en a qui sont cachés dans la forêt. Merde, attendez, où je suis? Je suis perdu. Donc, on a dit que vous alliez là-bas. Vous êtes le groupe de droite, de gauche. Putain, je vais pas y arriver. Vous êtes le groupe de droite. Est-ce
Let's go. Vous, vous êtes le groupe par ici. Voilà, c'est le groupe par ici. Maniez-vous de vous mettre en position, putain de bordel de merde. Ce qui me saoule, c'est que moi j'ai une strat, mais il y a des archers. Ça me plaît pas. Ma strat, ça marche que s'il n'y a pas d'archer. J'ai... Ah oui, non, ça va. Là, j'ai... Faudrait peut-être que je mette mes, mes archers aussi ici. Allez, là, mène-toi. Où tu vas? C'est là que j'ai demandé d'aller. Regardez comment je suis beau. Courez, 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 courez. On va se la jouer en, en pause plusieurs fois. Comment ça se passe de ce côté-là? Voilà, c'est ça qu'on voulait éviter. Là, il y a les premiers samouraïs Yari qui arrivent. Ok. Ah ben on va se casser. Je vois que la cavalerie légère... la cavalerie légère, elle a pris Sheros. Hein. Est-ce que je vais pas m'enfermer? Non, je peux faire le tour, hein, pardon, hein, y a pas de problème. Non mais c'est une blague. Et vous, c'est quand vous voulez, hein. Vous êtes trop loin. Défoncez lui là. Tirez-vous maintenant. Ah putain, ouais non c'est bon, ils ont réussi à partir. Ouais mon flag c'est bon. Toi, vous là. Pendant qu'eux ils sont en train de passer leur meilleure vie, vous allez me charger cette merde là. Ah oui, vous faites ça là, sérieux? Attends, par contre, je suis pas trop pour ça. Rappelle-moi ce que ça fait. Second souffle. Hop, on réduit la fatigue. Alors, comment vous trouvez ma cavalerie? Je crois qu'on s'est gouré d'unité par contre.
Ouais, c'est bon, ils sont plus que 16 et les H... ceux-là, ils vont pas me faire plus de dégâts. Eux, ils sont combien? 35. Ça me paraît bien parti. Oula, c'est quoi tout ça là? Général, général, général. Ah oui, c'est tous les généraux. On se tire. Vous. Je veux bien que vous vous mettiez là. Bah vas-y, chargez-moi ça. Hein. Non, 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 non. Chargez ça là. C'est quoi ça? Bah salut. Boum. Ah bon? Non. Si peu. Je suis un peu déçu, hein. Je vous avoue que je suis un poil déçu quand même. Je m'attendais à voir, genre... les autres fondre comme jamais, hein. Pourquoi vous venez pas vous mettre là? Des fois, quand même... Sérieux, vous allez vous mettre là. Hein. C'est les miens ça? Ce sont les miens. On va. Merde. Mon général va mourir? Qu'est-ce qu'il a? Ah oh, putain, les archers. Les hommes sont rompus, monseigneur. Certains ont grand besoin de repos. En tout cas, ils aiment beaucoup la balade que je leur fais mener. Hein. Par contre, ils galèrent à tuer des... ils galèrent à tuer des archers, ça me fait un peu chier. Hein. Ça va être compliqué hein, quand même. Hein. Attends, il me reste... L'autre, elle s'est fait choper, là? Oh là là... C'est la défaite...
Est-ce que je peux charger d'après toi Ouais, je peux charger hein, ça. Allez. Le général. Et bah. Ça là. La prochaine, je sais pas comment je vais faire. Là, par contre, je pense que j'ai perdu mes ma garde du shogun. Ah non, c'est bon. Par contre, là, j'ai... Oh là là, ouais, voilà, c'est ça, c'est... Où est-ce qu'on est ? Et par contre, des fois, le jeu, il va un poil trop vite. Tu vois pas ce qui se passe, quoi. T'as pas le temps d'analyser sur la carte. Rébellion à Kyoto. Je sais même pas... Je crois que je suis sur les affaires civiles, là. Alors, la rébellion de Kyoto, ça va. Ouais, bah ouais, mais c'est ce que sur quoi j'appuie. Dans mon souvenir, c'était ça, mais... C'est une armée, ça. Mais oui, c'est une armée. Prochain tour, elle est sur moi. Il y a du monde. Quoi? Elle est où mon... J'avais... Et mon mangono? Bon. Un rip, on ne sait pas comment. Ils ont décidé de se barrer. Ah ouais, tu penses ? Alors... Allez, là, tu le places là, ici. Bah, qu'est-ce qu'ils font dehors, eux ? Ça c'est quoi? Archigalu.
Ah, vous êtes à portée, putain. Putain, la vache, la portée, hein, quand même. Hein. Je veux juste qu'ils les voient, histoire qu'ils mettent un peu de troupe par là. Bon, bah, c'est bien. Offrez-moi ça. Ah, en plus, c'est Samurai Katana. Team les donne comme ça, là. En tir tendu. Vous êtes caché là. Je veux pas que vous soyez caché. Après, ils ont pas l'air de. C'est quoi ça? Bah alors? Qu'est-ce qu'il fait là? Par contre, on va arrêter de se faire tirer dessus bêtement là. Encercler. Est-ce que l'encerclement ça sert à quelque chose dans le jeu là? À part toucher plus d'unités. Bon bah, lâche. Hop. Touchez-moi ça. Non, ça sert à rien. Les samouraïs Yari, c'est toute une cible aussi importante. Ah bah tiens. Sortir. Bah écoutez, chopez-moi ça. Morale, ouais, ça touche sur le moral. Là, ils sont il a été boosté le moral, justement. Enfin, ils sont encouragés. Ça y est, on peut rentrer. Eh ben, on rentre. Allez. Ils reviennent, là? Ah non, morale anéantie. Ah, qu'est-ce que ça fait mal, ça?
pouvais monter. Ah, les archers Yashigaru, on va les attendre. Qu'est-ce qui reste? Samurai Yari, Samurai Yari, oui, mais ça va. Ça devrait plus être un problème. Qui me tire dessus? Les flèches là, c'est ça? Vous, c'est direct plus ici, hein. Hop. Alors là, ça sert à rien de faire des gros pâtés, on va aller chercher des... Alors vous... Non, vous... Et vous... Ah oui, en plus ils me font une belle ligne là. Ils arrivent. Hop, retirez-vous. Bon bah c'est gagné, on va mettre en x4 histoire que ça se termine vite. Vous, vous arrêtez de tirer surtout. Arrêtez de tirer. Bon, ça fera cette armée de moins à gérer. Alors, ici on a dit qu'on allait gérer cette rébellion. Ici on a une bonne garnison qui peut être solide face à ça. D'ailleurs, ils veulent même pas avancer. Ouais. Après, là, le but, gestion du clan. Ah, je suis à 18 sur 25.
Ah, c'est pas facile, hein. Où est-ce que ça va péter? Ça va péter à Tajima? Ah oui. Si je fais ça. Non, oui, ça va bien péter en plus, hein. Allez! Voyons voir comment ça évolue. Je m'en vais. Oula, sa petite armée, elle lui a fait peur. Là, c'est des Naginata, hein. Non, c'est des Yari. Archer Samouraï, c'est chiant. Alors, maintenant. En fait, j'ai que des archers. Ça va être impossible à défendre ça. Je pense que là, ça y est, ce côté-là tombe. Vous deux là. Il est où mon général? Mon général, il est mort. Sérieux, j'en ai marre. Hein. J'en ai vraiment marre. C'est quoi, samouraï, samouraï, samouraï? Ouais, et bah c'est vous qu'on va faire courir. Allez mourir un peu là. Vous vous prenez des flèches mine de rien. Hein. Je sais pas. Sûrement, je crois que c'était. Oui, c'était mon tout premier général. Ah, c'est des archers. Y'a courez, courez, courez des archers. Ils sont là les archers. Oh putain, je sais que je vais me prendre dans la gueule. Toi, tu vas te. Franchement, je vais te casser la bouche. Je vais te casser la bouche. Putain, il y a sa cavalerie légère là qui me course. Pause. Vous, ici. Vous, là. Voilà. Courez, courez, courez. Continuez de courir là. Vous faites quoi là? Ah merde, merde, merde! C'est un cul-de-sac! Oh là là!
Bon bah. Essayez-vous d'enfuir par là. Allez. Allez, donnez tout ce que vous avez. Allez-y là, courez. Courez, 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 courez. Vous allez ici. Les archers samouraïs sont en train de prendre. Vous avez pas besoin d'être là en fait. Je suis con. J'aurais dû déjà les déplacer ici. Allez, tirez-moi sur le général, là. Il a l'air de kiffer. Voilà, morale anéantie. Casse-toi, général de merde. Le mien, il est mort de vieillesse à force de se battre. Ça, c'est un vrai homme. Et vous voulez que je vous foute le seum? Regardez, on n'est même pas fatigué. Vous voulez toujours courir après moi? Allez les gars, courez, 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 courez. Hop, on passe entre les deux. Voilà. C'est la strat du manège. Et eux, ils essayent d'attraper le pompon pour un tour en plus, tu vois. Des pompons très longs, avec un petit bout pointu. Pour être sûr que quand tu l'attrapes, il s'en aille pas. Et au cas où quelqu'un vienne te piquer. Normalement ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça, toi ça passe pas. Ça passe par là. Messieurs, dames, je vous présente l'IA Total War. Allez, cassez-vous là, je peux vous voir chez moi. Allez! Y'a, attendez, on voit encore la cam là? Ah oui, c'est bon. C'est parce que j'avais pas mon retour. Bon, par contre, j'ai perdu mon général. Et j'en ai un de dispo, mais lui faire traverser la mer, c'est à 200% sûr qu'il va se... il va mourir. Ah, j'ai pas encore détruit son armée.
Il me saoule, lui. Allez, en avant, bonhomme. Vas-y. Montre-moi que j'ai bien fait de te faire confiance. Oh là là, lui, il arrive avec une grosse armée sur Kyoto. Beaucoup d'archers. Ouais, j'en aurais pas de nouveau, ouais. Ah bah non. Tant pis. Oh non, non, ça, je fais pas une auto là-dessus. Je fais pas... En fait, il y aurait que lui, j'aurais fait une auto. Mais autour... Là, je vais perdre trop d'unités, alors que là, je pense que je vais réussir à sauver... Ouais. Parce que j'ai pas envie qu'il me... Rince les comment les merde ça y est les naginata et les geisha les oni boni je crois ou onu boni ouais là c'est rapide ouais. Bon, trop tard de toute façon. Par contre, j'ai que 4 archers. Hein. Ça, c'est toujours le même problème que tout à l'heure. Ah bon? Ah oui, ça, c'est fort, ça. Ils arrivent par là. C'est quoi là-bas? Ashigaru-yari, ouais. Ils sont où les archers? Ils sont là. Ah ouais, ils sont pas que là. Ouais, ils sont là alors du coup les autres archers. Non? Attends, il y avait que 3 troupes d'archers? Ouais. 1, 2, 3. Ah oui, voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc ça, c'est la garnison. Donc c'est toi qui vas prendre. Là aussi, c'est la garnison. Ils prennent des dégâts, eux. Ils sont attaqués par quoi? La tour? Il n'y a pas de tour? Ah si, il y a une tour, là. Si j'arrive à faire partir... Allez-y. Tapez votre sprint de la vie, là. Eux, ils sont là. Par contre, j'ai peut-être un peu oublié un truc, c'est eux, là. Non, c'est gueule-là. Hop. Mais d'accord, ça, c'est que des lanciers, hein, oui. Les 3 là, ouais. Oui, t'inquiète. Si on arrive déjà à leur prendre ces 3 unités au moral, on est bon. Ça fera beaucoup de flèches en moins à gérer. Vous allez reculer encore parce qu'en fait ils vont vous avoir. C'est bon, on les a eu.
Ça, c'est quoi qui arrive? Il y a Shigaru. Ils sont où les archers? Ils sont là. Oh, est-ce que c'est quoi qui arrive? Ah, les archers, ils sont là encore. Et bah je croyais qu'ils avaient fui le combat. Ils ont pas fui, ils sont revenus. Ah oui, ils ont d'accord, leur morale est revenue. Toi, tu donnes pas de buff, on est d'accord, hein. Non, t'as pas d'aura, hein. Ah non, attends, vous êtes là. Y'a pas d'aura, hein. Bon bah très bien, ils envoient les archers au casse-pipe. Normalement, le moral il va pas tenir. Hein. Voilà, le moral il flanche. On essaie de les intercepter pour faire un maximum de dégâts. Adios. Kyoto reste encore sous mes ordres. Hop. C'est au tour du général. Ils veulent attaquer ça, c'est marrant. Du coup, c'était une rébellion du shogunat. Je sais pas si vous aviez remarqué. C'est l'héritier du shogun. Oh, parfait! Il avait un joli masque. Hein. Une mort suspecte! Cet homme est mort! Allez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Tosa? Qu'est-ce que j'ai... agitation grandissante à Tosa. Quoi? Ah oui, bah oui. Attendez, il faut qu'on fasse un truc. Ouais, ouais, ouais. Ah non, il est mort de vieillesse. De vieillesse, c'était une vieille dame qui l'a empoisonné. Salut!
Je viens te prendre ça. On est à moins 1. Qu'est-ce qui bouffe? Qu'est-ce... J'ai vu. Bon, jamais ça tient, mais... Faut que je trouve un marché et que je le déglingue. Hein. Non, pas toi, ça sert à rien, tu consommes pas. Le mieux capture des terres et améliore et n'améliore plus rien. Bah ouais, c'est ce que je voudrais faire, sauf que je capture... en fait, comme les terres... Enfin, ils n'ont pas augmenté leur... leur fort. Comme ils n'ont pas augmenté leur terre. Celui-là, si, tu vois. Mais le fort est tellement... En fait, est grand. Et du coup, c'est équilibré, en fait. C'est juste, c'est con, ils se sont équilibrés. Toi. Ah ouais, mais plus 1000, quoi. Genre, vraiment, c'est... C'est ma grosse rentabilité. En fait, c'est cette ferme-là là, qui me fout dans le mal. Sauf que pour la réparer, 2100... Bah après, je peux essayer de... Là, le problème, c'est que... Alors, où est-ce que ça va craquer? Ça va craquer juste ici. Donc ça, ça va. Ici, il y a une armée... Ouais, pas top. Voilà, ça va pas craquer. C'est tout simplement comme ça qu'on ne craque pas. Ici, on ne répare pas, surtout. On s'en fout total. Toi, tu vas te... C'est à moi, toi, hein. C'est ma barbe, hein. Oui, bon. Ouais. Bon. Au pire, au pire. Bah ouais, non, mais c'est ça, un gros cercle vicieux, hein, ça je suis bien d'accord avec toi. Et voilà, je n'ai plus de commerce. Ouais, bah, tiens, je te la donne, hein, parce que... Oh les mecs, ouais, y a la rébellion hein, qui va finir le travail, hein, pas d'embrouille. Bonjour Tajima. Je suis le nouveau shogun. Je ne pensais pas que vous auriez le courage de venir jusqu'à moi. Et... Parlez puisque vous êtes là. Non mais de toute façon tu... T'es mort Tajima. Je vais pas te faire un topo mais... Ça c'est à moi. Puis derrière, je passe et je passe et je déglomme tout, mais alors par contre derrière moi c'est l'apocalypse. Hein. Ça c'est une armée rebelle ça? Non. Non. C'est con parce que j'aurais bien recruté des archers mais... Y'a pas d'archer qui traîne là.
Non, non, il y a une armée qui traîne par contre. Ouais, pas. Pas dingue. Y a quoi là? Y a toi que je vais pouvoir ramener par ici. Oui. On va pouvoir faire le ménage chez nous. Ah oui, intégrité traître. Putain, j'avais même pas vu, je suis... Putain. Putain, le seul qui est digne de confiance, c'est lui. Les autres, c'est... Genre, c'est vraiment ceux qui sont restés, c'est les pires raclures, quoi. Je suis à combien là? 19 sur 25. Ah, vous faites ça y est, je suis légendaire. Hein. Ils ont perdu une province, on est d'accord eux. Hein. Non, ils en avaient que deux. Ah oh, non, mais jamais ils passent ça. Hein. Ils sont considérés comme quoi? Modérés. Ouais. Surtout pas. Il n'y a pas un truc qui me rapporte de la bouffe. Ça, c'est pas mal, ça. Mine de rien. Le jeu serait tellement plus simple si... Oh les bâtards, je l'ai pas vu. Bon bah là c'est le début de la fin. Ouais les technos là je t'avoue que... J'ai été chercher la précision des archers vu qu'on est... Quoi ? Oh mais j'en ai marre. Non mais cette ville, elle a pris la max. J'en ai marre de la défendre. Je pense que ça vaut pas le coup la précision des archers du coup. Ouais, rappelle-moi ce que tu m'avais dit au début pour mes flottes. T'es mieux en faire des plus petites, c'est ça? C'est ça, hein, tu m'avais conseillé de faire des flottes plus petites. Hein. Bah, toi, là. Hop. Alors. Les archers, les archers, les archers, les archers.
Attends, non, là c'est des gars. Ah oui. Hop. Vous sortez par là. Ensuite, vous. Ici. Ici. Ici, c'est quoi? C'est de la garnison ça? Non, c'est pas de la garnison. Hein. Ça, c'est de la garnison. Allez, ils ont beaucoup d'archers. Vous me faites un peu de ménage. C'est bien, c'est exactement ce que je voulais qu'ils fassent. Ah oui. Mais là de toute façon mes flottes, en vrai je dis ça mais mes flottes elles sont bloquées. Hein. Merde, 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 merde. Un grave danger, monseigneur. Mais... On peut considérer que c'est le dernier moment. Ok, là ils ont fui, c'est parfait. On est chargé là, on n'a plus besoin de vous ici. Shigaru qui ont pris ce qu'il faut. C'est pas des Ashigaru, ça c'est les... Ah si, c'est des archers. Hop, vous vous cassez, je veux pas vous perdre. Quoi? Mais... Qu'est-ce que vous avez pas compris dans barrez-vous. En vérité, tu m'as poussé à la réflexion pour les flottes, sinon de ma manière de faire consiste à construire des flottes qui ne coûtent pas cher et limitées sur 7-8 bateaux, sans oublier quelques bateaux pour sacrifier et empêcher l'IA de contourner et de t'envahir sans t'en rendre compte. Ouais. En fait, je crois que ma plus grosse faiblesse au bateau, c'est que j'aime tellement pas les batailles navales que je veux pas les faire, quoi. Donc je pousse un peu la flemme, quoi. C'est pour ça que je suis très content que dans Warhammer, il n'y ait pas de bataille navale. Ça me va parfaitement. Non. C'est pas du tout l'objectif. Voilà, vous allez vous battre. Alors, qu'est-ce que... Ouh. Ça fait mal, hein.
Les archers samouraïs, c'est chiant. Bon. C'est sûr. Mais après, comme je te disais, tout ça, ça serait pas un problème s'il n'y avait pas une question de temps, tu vois. Parce que par exemple, s'il n'y avait pas la contre-la-montre, je ne serais jamais allé me battre contre tout le monde, à m'étendre à gauche à droite, quoi. Mais comme là, il me faut 25 régions rapidement, c'est ça. Là, je serais plutôt resté sur mes positions à me consolider, en fait. Bah, la guerre, t'es pas obligé de prendre des régions, forcément. Tu peux aussi te dire, je reste sur mes positions et je défends là. Ouais, mais techniquement, je suis déjà shogun, tu vois. Oh, oh bien. C'est quoi qui arrive par là-bas, là? Des samouraïs katana, ok. Ils ont qu'à me dire vous êtes le nouvel empereur. Voilà, comme ça ils sont en train de me casser. Hop. Vas-y, c'est le moment maintenant. Non. Oui, je sais qu'en prince, c'est encore autre chose. Allez me défoncer ça là. Écartez-vous, 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 écartez-vous. Vous, là.
En fait, vous allez chercher ça là. Ils en sont où eux? Vous tirez pas vous? Ça va? Ah mais je vous avais pas dit de descendre vous? Si, je vous avais dit de descendre. Ah du coup, ils se font casser la gueule parce que les autres n'ont pas suivi. Ah ça, ça me rend dingue. Attends, c'est quoi tout ça là? Il n'y avait pas autant tout à l'heure. Vous allez. De leur tour, monseigneur. C'est ma tour. Hein. Non mais en fait, hop, rentrer à la maison. J'aurais pas dû sortir. J'ai voulu sortir pour aller chercher les archers, mais il y a trop. C'est des archers samouraïs. Ils sont en train de me découper en pièces. Mais ils sont encore barrés quoi, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'ils ont là? Perdre des hommes? Non. Non, ça va. Merde! Qu'est-ce qui branle? Je comprends pas. Ça va. Bon bah l'IA fait nimp. Enfin l'IA décide clairement de faire un peu... Je vous ai jamais demandé de faire ça. Ah putain, il y a le mode escarmouche qui est activé et c'est des gros débiles. J'ai appuyé sur ça tout à l'heure en fait. Et pas sur les flèches enflammées. Voilà. Putain, je comprenais rien, c'est que j'étais en train de péter un plomb là. Hein. J'ai dû le remarquer. Allez, maintenant vous leur tirez des flèches dans le dos là. Quand même. Allez, là, qu'on en termine. Ouais, juste un peu, ouais.
Bon bah pendant qu'eux ils sont en train de se faire... Qu'est-ce qui tombe là? Ah! Il y a les généraux qui montent, vous leur mettez des petites flèches de feu s'il vous plaît. Pourquoi ils se barrent eux? Allez, vous allez passer un bon moment. Ils veulent pas mourir. Ouais, bah ça va, ils n'allaient pas mourir. Hein. On était bien là. Allez, mettez-lui une grosse flèche à lui là. Avant qu'il tue mon copain là. Mettez-leur la max là au samouraï. On veut pas de vous ici. C'est gagné. Ici c'est Kyoto. Ah, attendez, je reviens. Je vais libérer le chien. Et on perd une unité. C'est pas bon. Salut Season. Bienvenue, ça va? Alors... Tchoutchoutchoum. Sabotage, encore, le bastion... Oh non... Ouais, ça va, on est en train de se faire clairement martyriser par le jeu, mais ça va. Je peux enfin réparer ceci. Regarde, tu vois, clairement, je m'étais dit, tiens, c'est bon, ils m'ont un peu lâché la grappe avec les... avec le sabotage, mais non. Non, non, ça y est, c'est reparti de plus belle. Ah oui, alors, du coup, c'est une grosse armée? Ah oui. C'est la misère. Hein. On en est à combien? 20 sur 25, mais on est à on va retourner à 19 parce que là ça va péter. On préfère réparer ça. Donc on est sur Total War Shogun 2. Voilà. Et on se fait laver.
Tiens, d'ailleurs, toi qui as pas mal joué, je n'avais aucune chance sur cette bataille. Oui, bah là. Pas là non plus, hein. Ouais, c'est ça. Sabotage, allez, vas-y. Rébellion, c'est parti. Faillite, allez. C'est l'enfer. Bon, je crois que ça sonne le glas, hein, aujourd'hui. Parce que cette armée-là, elle est inarrêtable. Même avec ça, je pense pas que j'arrive à l'arrêter. Je vais aller me mettre là. Ouais, en défense, mais même en défense, hein, t'as vu, il y avait beaucoup de katanas. Ouais, ça sent le reload. Ouais, ouais. Pourquoi je peux pas aller le chercher là? Bah, ou lui, je m'en fous. Non, d'accord, on peut pas. Pourquoi je peux pas sortir de chez moi? L'armée a été sabotée à tous les coups. Sabotage. Armée sabotée. Laquelle? Oui, voilà. Allez, vous savez quoi? Ça, jamais ça passe. Ah, putain. Sabotage, culture en terrasse. Ça a été réparé. Voilà. Ah, il y a ça. Ah, faillite, c'est vrai. Bah, de toute façon, que je prenne Kyoto ou pas. Bah, alors, si là j'étais à deux doigts de devenir légendaire, donc de toute manière, je serais passé quand même. Comment. J'allais passer légendaire quoi qu'il arrive au tour d'après si je prenais une autre région. Donc j'ai décidé d'aller prendre Kyoto, histoire d'être peinard pendant 30 secondes on va dire. Enfin pendant 30 secondes, pendant un ou deux tours. Ensuite, pour changer de jeu, bah, je suis sur Anno. Après Anno c'est un jeu de gestion, donc je pars faire à deux jeux de gestion parce que sinon bon ça fait un peu mou quand même que du jeu de gestion. Et j'aimerais bien faire d'autres jeux, mais là après par contre c'est le PC qui tourne qui est pas assez bon. En attendant mon PC qui n'arrivera jamais, mais bon écoute, faut bien dire en attendant. Là on a une armée qui traîne, c'est bon, c'est une toute petite armée. Pour gagner, il faut que je garde Kyoto, on est d'accord. Hein. Ouais, il faut que je garde Kyoto. Ah bah d'ailleurs, il me manque une... Ah bah oui, bah il me manque Awa. Ouais. Donc même si maintenant je fais un rush des familles... Et bataille TD, c'est quoi? Oui, c'est vrai que je pourrais faire une partie en normal, au lieu de m'acharner sur du difficile, histoire de passer un petit moment à la cool. Ah, en très difficile, oui, d'accord, oui, excuse-moi, j'étais... Mais je crois pas qu'on puisse... On peut pas régler... C'est que... On peut pas régler la difficulté des batailles, hein. Je crois pas, hein. J'irai voir ça après. Dans Total War, 100% qu'on peut, ça je sais. Mais... Ah oui, d'accord.
Oui, je vois. Ah putain, mais on peut même régler ici à 20 minutes. Je pensais que c'était choisi. En fait, on en est où des graphismes? Ouais. Un truc qui me manque dans ce jeu-là, c'est le sang, je trouve. J'allais faire retour vers Windows. Hein. Ça allait être la catastrophe. J'allais refaire la même erreur que la dernière fois. Ouais, le sang. Il n'y a pas de sang. Bon alors pour la banqueroute, bah faut aller rouler. Vas-y, faillite. Ah mais il y a le sang dans le truc? Parce que moi normalement j'ai pris tous les DLC, j'ai plus rien à acheter sur ce jeu-là. Bon, moi je m'en fous. D'où est-ce que vous sortez, vous? Bon, de toute façon, on peut pas défendre. Province perdue, ok. Armée écrasée, armée sabotée, oui, voilà. Manque de nourriture, c'est la merde. Bon. Bref. On connaît tout ça, que ce soit la merde. Bah écoutez, j'y croyais vraiment à cette campagne. Mais là, je pense que... Tu le connais encore. Et même quand tu prends du niveau... Ouais. Non, non, mais je suis pas déçu. Hein. J'ai passé une super campagne. Hein. Franchement, je me suis éclaté sur cette campagne. Y avait... Puis après, je découvrais vraiment le jeu et c'est... Ça, c'est ma première vraie campagne, quoi. Les autres fois, j'allais pas plus loin. Je passais même pas légendaire, quoi. Quand je faisais du Shogun 2. Mais là. Là, je pense que la prochaine bataille, je commencerai ici. Histoire d'avoir une méchante économie grâce au commerce. Ah oui, c'est dommage parce que ça, c'est... Donc on commence à Tsuma, on commence avec une forge. On monte. Comme ça, on est sûr d'avoir personne derrière nous. Ici, on fait un cordon et on va faire avancer un cordon de petits bateaux là qui... Comme tu m'as dit. Ouais, bah je pense qu'on va se faire ça histoire d'être cool pour la prochaine campagne. Je sais pas si là, on va partir sur encore un Shogun 2 ou si on va retourner vers du Fall of Samurai. Tu m'as dit que l'essor des samouraïs, c'est... L'essor des samouraïs, c'est bien ou pas? Ah bon? Oui, non, mais plus facile, j'ai bien compris. Moins animé? Je crois que sur c'est sur l'essor des samouraïs que je suis resté bloqué. Il y avait tout le monde qui... Genre je crois que j'avais 4 ou 5 factions contre moi et je pouvais pas sortir parce que il y avait trop d'armées contre moi en fait. C'est que les mecs c'était tous liés contre moi et je faisais que défendre. Et je défendais bien, tu vois, genre j'avais quasiment rien. Mais dès que je sortais mon armée, bah, il y avait 3 autres armées qui m'attendaient. Donc impossible parce que ce qui me rendait fort c'était que j'avais des armées qui étaient fortes en défense. Mais par contre, dès que je sortais, non, il y avait trop de monde pour que je puisse passer, quoi. Je pouvais pas conquérir une ville avec une garnison complète et protéger le tour d'après contre une autre armée qui venait récupérer la ville. Bon, et bien voilà. Ouais, les archers sont très forts, ouais, c'est ça.
Qui nous aura mis dans le mal? Bah clairement, ce sont les ninjas. Les ninjas qui m'ont mis au fond du fond. Hein. On n'aura jamais profité de l'armurier. On n'aura jamais pu construire des... Ah ouais, non, mais les agents, ils m'ont... Là, ils sont arrivés à 10 et ils m'ont rasé, quoi. Genre, ça fume de partout. Bah, en fait, le truc, c'est que... J'avais des agents qui étaient... Là, mais ils sont tous arrivés d'un coup. Et ils m'ont snipé tous mes agents au fur et à mesure. Et il y avait trop d'agents, en fait. C'est même pas... Il y en avait trop, quoi. Je crois que quand ils sont arrivés, je crois qu'il y avait 4 ou 5 ninjas qui m'ont fait déjà un peu le ménage parmi mes agents. Donc, bon. Alors, ce que je vous propose, on va sauvegarder quand même au cas où, si un jour on se décide de revenir et de finir l'infinissable. Je vous propose d'aller vers le menu principal. On va aller voir un peu ce qui traîne. Oh, elle est bien cette musique là. La date, elle y est dessus quand tu regardes dans les options. Normalement, si je fais charger. Ah oui, non, la date. Ouais, si, c'est ça. Il y a la date d'aujourd'hui et la date du tour. J'ai rien dans le cloud. Retour. Alors. Nouvelle campagne. Donc, les sorts des samouraïs, fais voir un peu. Je crois que j'avais pris eux. Ouais, je crois que j'avais pris eux. Et tu vois, c'est ça, on peut régler que... Mais ça, par exemple, ça, c'est la difficulté de la campagne. Mais ensuite, je peux mettre en très difficile. D'accord. J'allais faire comment ça va. Et donc, Satsuma, c'est eux. C'est quoi? Coût de recrutement et entretien réduit pour les samouraïs katana, peut recruter des héros katana. Loyauté élevée pour tous les généraux, peut recruter des samouraïs katana. Ok. Ah oui, alors le DLC, on avait dit. Option. C'est quoi ce pavage? Non, ça doit pas être là. Dans les graphes. Tu le vois là? Alors, détail des unités, arbres, herbes, des anti-aliasing. Non, je le vois pas. Attends, je regarde. 2 secondes. Hop. On perd la musique. Juste, je vais aller checker sur Steam parce que ça se trouve, c'est moi qui. Qui est fumé un petit pétard tout à l'heure. Si ça vous intéresse, il y a le jeu Styx qui est à 2€ au lieu de 20 balles. Là, je viens de voir. Shogun 2. Sur Steam. Alors, ouais. Shogun 2. Euh,
Mais il n'y a pas de DLC, hein, ouais, ils proposent pas. Info sur le package. Alors, ouais, Rise of Samurai. Unit Pack, Atori, ouais. Ah ouais. Non, il me propose pas Blood machin truc. Ah bah ça, de toute façon, Creative Assembly sont complètement. C'est leur système de travail, hein. Et dans Fall of Samurai, peut-être? Parce que maintenant, Fall of Samurai, c'est devenu un jeu à part entière. Hein. Je sais pas si tu avais vu. Ah, je l'ai là. 1990. Mais c'est que pour Fall of Samurai. Ah non. Putain. Ouais. Bah, je l'avais pas en fait, tout simplement. Ah oui, putain, la vache, c'est ultra gore. Hein. Ouais, non, mais c'est marrant, mais par exemple, il est sur. Ouais. Non, non, il est pour Fall of Samurai. C'est des enfoirés parce que j'avais acheté le pack complet. Et du coup, en fait, comme ils ont séparé le jeu ensuite, bon, bref. Est-ce que j'ai des petites vidéos là? En 2021, ouais, bon, rien de vieux. Donc, pour la prochaine fois, la fin des samouraïs, on se dit. On part où? Tsu, c'est l'enfer. Ah ouais, c'était pas possible avant? Tu savais même pas, tu vois. Machin chausson lequel du moins avec les couleurs ça ira plus vite. Celui-là là, ce jaune là. Ouais, chouchou. Mais je veux pas prendre chouchou parce que la dernière campagne que j'avais fait avant de commencer le stream, c'était sur lui, du coup je veux changer un peu. Oh, je sais pas. Tossa, j'aime bien Tossa. Ça j'aime bien, ouais. Je pense qu'on va peut-être partir pour tout ça. Écoutez, on va mettre le jeu en normal pour la prochaine fois, histoire qu'on se fasse une partie jusqu'au bout. Ouais. T'as qui? Azai. Ah oui, Aizu, ouais. Jamais. Ah bah si, c'est celle. C'était la première campagne que j'avais fait et que. Ah non! J'avais fait. Non, j'avais fait Sendai, moi.
Ouais, Tossa, ce qui est bien, moi ce que j'aime bien avec Tossa, c'est que t'es très vite au front contre contre les le shogunat. Et du coup, t'es pas bloqué par tes alliés. Enfin, par des alliés, par des impériaux qui sont en paix, mais pas qui n'ont pas de, de passage. Et du coup, tu peux te faire des blocs. Parce que, par exemple, dans ce jeu-là, je trouve que facilement, en fait, tu vas avoir... Enfin, en fait, en tout cas, c'était dans les parties, alors au niveau normal, en difficulté normale, où ton territoire avait facilement, enfin, était facilement éclaté, parce que tes alliés, en fait, capturaient le truc juste à côté, et du coup, en fait, t'avais un territoire sur deux. Un truc qui est pas mal aussi à défendre, c'est, je crois que c'est Obama, hein. Tu prends Obama et tu fais un, tu captures ici, et cette zone est ultra facile à défendre avec des bateaux. Sous, le problème c'est que, bon courage pour te défendre, tout le monde veut ta peau. Même les impériaux sont pas trop chauds pour te faire confiance. Ouais, tu regardes les conditions de victoire sont vachement plus cool hein, par contre. Hein. Là, il faut que tu aies 14 provinces, toi, plus 35 provinces, donc déjà moins 14, contrôlées par des forces loyales. Le seul truc un peu plus compliqué, c'est que il y a donc Kyoto à choper, ça va. Mais c'est Musashi qui est un peu loin quand tu joues impérial et Josai. Josai. Oh oui. Ah mais non, c'est un shogunat. Je pensais que c'était un impérial. Ah oui, je l'avais déjà joué très fort ça, ouais. Le fait que les ennemis puissent se reconstituer en territoire ennemi, c'est très fort. Oui, c'est vrai que je peux passer en impérial. Non, mais je pense qu'on va se... Ah, je sais pas. Josai, on switch impérial et tout le monde nous déteste. Ouais, ouais, on va peut-être faire ça. Ça peut être marrant. Avec notre petit, notre joli chapeau là. Ouais, Tossa, ouais. Ah oui, celui-là, Saga. Ouais, il est pas mal, en plus il commence avec des canons, c'est vrai que c'est plutôt fort. T'as déjà le commerce, ouais. Et ah oui, c'est vrai qu'il est fort, hein, Saga. Après, quand tu joues Saga, il faut pas perdre ta première bataille navale. Parce que... Après, sinon t'es dans la merde. Moi, je sais que j'avais fait une bataille, enfin, une partie Saga où j'avais perdu ma toute première bataille navale contre l'ennemi, et l'ennemi, c'est l'île qui est ici. Et ensuite, ils sont venus piller mon port. Je pouvais pas construire de bateau. Mais je crois que j'ai découvert il y a pas longtemps qu'une armée à pied peut peut-être virer un blocus naval. Je sais pas si c'est aussi, si on le fait aussi dans la fin des samouraïs. Je sais que
Ouais, je crois, tu crois pas? Ouais, moi aussi je crois pas. Hein. Donc j'étais bloqué là et j'étais softlock en fait, tout simplement. Ouais, sur ça, sur Napoléon, on peut le faire, ouais, ça je me rappelle bien. Et bah écoutez, on va se laisser là. Salut YouTube, on se, du coup, on se retrouve la prochaine fois pour une campagne La fin des samouraïs. En normal cette fois, histoire qu'on aille au bout d'une campagne. On va baisser un peu la difficulté parce que clairement là on n'y arrive pas. Et salut le stream, merci d'être passé. Merci d'avoir participé, bon appétit à vous, ouais merci. Et du coup, ouais dis-moi le pacificateur. Je baisse un peu le son. Oui, bah oui, en plus, je vais pas du tout me la jouer. Je vais choisir un ralliement, hein. Je veux pas choisir l'indépendance. On va faire vraiment une campagne chill. Oui. C'est pour ça que je me suis dirigé sur une fin des samouraïs, c'est vraiment... On fait une campagne chill. On va faire une campagne où on s'amuse, et si on voit qu'on s'ennuie, on va rusher les objectifs. Et voir changer de niveau de difficulté. Ok, et bah salut, à la prochaine. Prochain stream, c'est lundi soir. Voilà, je suis pas là de tout le week-end. Et je vais mettre un planning, je pense, ce week-end. Et je ressors, pour ceux que ça intéresse, les VOD sur mon YouTube. Voilà, que vous pouviez trouver en description de la page. Bisous tout le monde, à la prochaine. Bye bye.